coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Nous sommes en live sur Twitch actuellement. Il est 20h43, mercredi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Le Not So Berry est en live à partir de 20h à peu près. Le temps d'arriver, de blablater, tout ça. Tous les mercredis sur mon Twitch. Les liens sont partout dans la description, sur les côtés. N'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est sympa aussi hein, de discuter ensemble et de dire des conneries. Voilà. Et comme ça, le chat, en plus, vous dit bonjour. J'espère que vous leur répondrez, parce que vous êtes des gentils gens. Alors qu'il y a des déclarations d'amour, encore une fois, dans le chat. Tout va bien, j'aime créer des couples quand moi-même, je reste célibataire à vie. C'est beau, la vie. Alors, la dernière fois, nous avons eu l'honneur, que dis-je, l'incroyable chance de pondre cette chose dégueulasse qui s'appelle un bébé. Premier bébé de la génération verte. Ceci est une femelle qui s'appelle Opaline. Voilà, donc aujourd'hui, on va sûrement en faire un deuxième. Je sais pas s'il arrivera, il sortira du four aujourd'hui ou pas. En attendant, il faudra évidemment faire la chambre. Après, c'est pas non plus tout de suite. Je crois qu'elle était pas en cloque, hein. Elle était en cloque ou pas? Je m'en souviens même pas. Je pense pas. Non, elle était pas en cloque, Ginette, là. Alors, on est samedi. Qui travaille? Elle travaille pas. Lui travaille. Ah, allez hop, tu vas me la foutre en cloque. C'est pas grave, hein, elle vient de sortir de couche, c'est pas grave. On va remettre ça. Non, vous voyez pas de quoi vous parlez, oui. Moi non plus. Coucou Clara, Orion, t'inquiète. J'ai compris Campanile. Marie, il y a un problème d'oreille aussi. Hein. Il va falloir nettoyer tout ça. Elle a l'air emballée, profitons-en. Elle s'appelle Opaline. Un O comme over. Un P comme prout. Un A comme... ah là là, qu'est-ce qu'il est con celui-là. L comme Lulu Berlu. I comme hihihi dans ton rififi. N comme non non non, tu ne l'auras pas celui-là. Et E comme elle va se faire affamer sa gueule celle-là. Voilà, j'espère que tu seras comblé par ces informations. Ah, c'est, bah écoute, tu laisses ton mari et puis toi tu vas tester ta vieille grosseur là, de grosseur de bide. Parce qu'après on va aller bosser nous. Oh bah dis donc, il a bien visé encore une fois ce petit Oya. La deuxième fille est en route, du moins j'espère. J'avais la nouvelle méthode pour apprendre l'alphabet. Tout à fait. C'est pas comme ça? Va taffer, Jeannot. Attends. Ah non, c'est vrai que c'est le réveillon. Merde, on va se retrouver coincé avec elle. Oh. Bon bah, Toya, va bosser. Nous, on peut pas aller avec toi. Oh. C'est bien, il va être... Mais je t'entends, hein, Jacqueline. Résoudre deux affaires. Ouais. On va discuter avec les... Bon, ben, on va se retrouver coincé avec elle. On n'en a rien à foutre, en plus de sa vie. Ouais, tu feras la vaisselle aussi. Oh, Sakura, tais-toi. Sakura meurt de douleur, s'il te plaît. Clique sur le cartable, tu peux le rejoindre, il me semble. Quel cartable? Ça? Nya. Négatif! Mon petit chaton. Alors, impressionnez le patron. Est-ce que Toya fait des heures supplémentaires ou elle s'occupe d'une tâche secondaire? Allez-y,
dans le chat, à moins que quelqu'un fasse popper un très rapide petit sondage, n'hésitez pas. Non mais t'inquiète, parce qu'en fait c'est un jour férié, c'est pour ça que ça marche pas, je pense. Heure sup. Et remont soldat, comment vas-tu? Ça va, il est sage, hein, Germain. Allez, vous pouvez voter, il y a un sondage qui a popé. N'hésitez pas, c'est le choix 1 pour les heures supplémentaires et s'occuper d'une chasse secondaire chez le choix 2. C'est maintenant, c'est tout de suite, exprimationnez-vous tout simplement grâce à vos clics ou vos gros doigts boudinés, ça dépendra comment vous me regardez. Et j'espère que si vous me regardez à partir d'un téléphone, j'espère que vous faites caca en même temps. D'ailleurs, je veux savoir si j'arrive à vous faire chier plus facilement. C'est juste comme ça. C'est une étude que je mène. Non, je me fais pas agresser. Je vois pas de quoi vous parlez. Ah, plouf. C'est ça. Voilà, le pot de colle est de retour. L'agresseur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh merde, y a pas de place. Oh merde, j'arrive pas à m'agripper comme j'ai envie. Pourquoi on ferait caca en même temps? Bah pourquoi pas, Léa? Pourquoi pas? C'est le choix numéro 1. On va faire des heures sup pour impressionner le patron. Merci pour le coup dans le plafond. C'est vrai que ça me manquait depuis tout à l'heure. Bande de voisins de merde. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Ouais, on va faire la gerbe si tu veux. Toi, c'est quoi ça? Alice Rico. Oh, ce look incroyable. Ces chaussures supplient. Oh là là. Oh la tronche. T'es croisé quoi, toi, avec un, quelle race de chien t'as été croisé? Hein? T'es bizarre, toi. On va accélérer un peu le temps, hein, pas quand même. Que même! Vous savez que lui, il dort pas encore, mais là, ce qu'il a, il tient juste en s'agrippant. Sauf que quand il s'endormira, il va plus te tenir avec ses griffes. Donc il va se casser la gueule. Appelle le glu. Tu es sur ventelle, je fais pas caca. Ah merde! Hé, hey, salut Dahlia! Enfoiré. Ah mais arrête! Ah mais tes sales pattes toutes griffues! Oh! Il sait pas qu'il y a pas de place, il s'en rend pas compte, hein. Tu arrêtes un petit peu? Sacré mâchoire. Qui ça? Ah oui, elle. Oh, sacré menton, je dirais même. Hein. Partagez la grande nouvelle à Dahlia. Salut Dahlia, comment vas-tu Dahlia? Dahlia, t'es trop nulle, t'as perdu. Vous entendez bien le jeu? Attendez. Ouais. Dahlia avait les styles de vie sociables. Tant mieux pour elle. Hein. C'est incroyable. Tiens, tu peux dégager, toi. On a notre belle-sœur qui est arrivée. On entend très bien. Ouais. Sacré Sim 7, je dirais tout court. Ah, tu vas pas te plaindre. Non, tu te plains pas du temps ensoleillé, wesh. Ah! Ah, oh, c'est pas vrai. J'en ai marre. Regardez sa patte là. Regardez comment il met sa patte. Aïe aïe aïe. Tu sais que t'es chiant. Hier il a fini de l'intérieur du pull hein, comme un boudin en bas du machin quoi. Bah, si je mets comme ça c'est pour mieux hein. Moi je te tiens à moitié mais tu vas me griffer encore plus. Hein mmh. Bon Jacqueline, tu viens t'occuper de ton gosse là? Parce que Tati, elle est gentille, mais elle a plus de l'eau. Elle a des sacrées réserves, mais il n'y a pas de lait dedans. Oh, Roger Merguez, merde, je les ai oubliés ceux-là. Ah, Merguez, enfin Roger, il est pas très. Ah merde, il a faim aussi. Oh, mais non. Ah, ça fait du bien que ça s'arrête. Hein. On entendait très bien. J'avais l'impression que c'était pas fort.
Il s'endort, lui. Et tu veux pas dormir un endroit un peu plus confortable? Hein? Ce sera mieux, hein? Je vous rassure, il arrive à dormir sans moi. Hein. Mais... Il sait pas faire. Voilà, salut Mère, Roger. Je suis trompée. C'est pas terrible, hein, Toya. Bon, on va accélérer. Hein. Ah, Manon, elle a identifié. Putain, mais ces gosses. Oh, déjà qu'hier, dans le Legacy, j'ai douillé avec les gosses là, mais c'est pas possible. T'as pas un sweat à capuche? Si, j'en ai un. J'en ai un. C'est pas très sexy, hein, ça c'est sûr, hein, par contre. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est le jour de l'an. Ah, Gorba! C'est fait quoi comme boulot, au fait, Jacqueline? On va chouchoubiter, hein. Enfin, les Sims, ils vont chouchoubiter. Ayant perdu sa mère, jeune, il retrouve en soi ses besoins maternels. Je perds du chaton, oui, j'ai compris. En même temps, je suis sa maman, hein. Normal. Salut Guillaume, comment vas-tu? Oh, quand est-ce qu'il revient? 17h? 18. Oh. J'ai l'impression que quoi que je fasse, ça va pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Sei Sakuna. Bon, dis donc, mais c'est intéressant ce machin-là. D'où il sort, hein. T'es un peu vieux pour notre fille, hein, mais bon. C'est encore vie, Samster. Oui, c'est un challenge supplémentaire que je me suis infligé. Parce que comme Roger, il a réussi à nous avoir absolument toutes les cartes postales, même les cartes postales des machins, là, je sais plus. Merci, Anne, pour ton abonnement, ton 6e mois d'abonnement, une demi-année déjà. Gros bisous à toi. Et Smiley Boo, merci beaucoup pour le soutien. J'espère que tu vas bien. Merci énormément. Comment vas-tu? Il y a un arbre généalogique pour le Notso avec commande. Je me souviens plus. Non. Non, non. C'est hamster à même tronc que Daichi. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'elle fait dehors? Elle s'est paumée? Elle a Alzheimer déjà, la petite? La petite. Elle vient bouffer, Jacqueline. C'est vrai que c'est des shots qui, à la première utilisation, ils cassent. C'est vrai que tu peux discuter avec ta meuf, hein. On va pas vous manger de pain. Pa-la-pa-pa-pa. Ça fait longtemps qu'il a pas gratté sa gratte-gratte, non? Tu vas draguer en racontant une blague. Complimenter son apparence. Tu lui as dit que t'étais en cloque? Je me souviens déjà plus. Est-ce qu'on invite... Voilà, il est 19h16, c'est peut-être un peu tard. Est-ce qu'on invite à la famille ou pas? Salut Pauline, comment vas-tu? Oui, petit machin. Il était pas là au départ, hein, mais bon. Il sait pas se passer de moi, donc qu'est-ce que tu... Oh, regardez moi quand je vous dis qu'il fait n'importe quoi avec ses pattes, hein, regardez. C'est une patte, ça, qui traîne comme ça, là, dans le, qui va dans le vide. Hein? T'es bizarre, toi. Oh oui, ça ronronne, bah oui. Dans le décade, Dashi est mort. Sur notre parquet.
Mais il est dans le Legacy qu'on fait sur Twitch. Et il est notre majordome, évidemment. Oh, qui sont Moon Moon? Oh, ah, oh, bah c'est sympa! À peine elle l'embrasse qu'elle a envie de gerber. Ça veut dire quoi, qui pue? Tu sens la chaussette, Antoya? Raconte des ragots pour tes collègues, vas-y, raconte des ragales. Merci beaucoup, Chendo, pour ton abonnement! Incroyable! Merci beaucoup pour ton soutien! Gros bisous à toi, Ismaël et Boule, merci beaucoup! Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, hein. Vous pouvez garder vos sous, hein. C'est mieux pour vous. C'est presque une baguette par semaine. Dit comme ça, ça fait pas beaucoup. Quand même. Oui, génération pêche, pas prune, ouais. Ça se voit pas qu'on est dans l'ambiance pêche. Là, c'était la chambre rose parce que c'était les parents de Toya. Et on n'a pas encore fait la décoration pour les chambres vertes des enfants. Miam, quel beau mélange de couleurs. On est ravis. Ah, elle est chaude comme la braise, dit. Allez, tu vas lui embrasser les mains et toi, tu vas la reprendre, tu vas la retourner. Et tu vas lui péter la rondelle. Dans la douche, allez. Et salut Frisé, comment vas-tu? Oui, ça fait longtemps que t'étais pas passé. Comment vas-tu? C'est pour fêter mon retour sur live, ça faisait longtemps. Après, si on peut pas soutenir, c'est une suivante préférée. Ah si, tu peux, mais c'est gentil. Mais après, c'est vrai qu'il y a aucune obligation, mais ça me fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup, Jane. Jane Doe. Elle s'appelle Manon Price, mais comme elle est mariée, maintenant c'est Manon Rainbow. Et c'est le chat qui l'a choisi, hein. On a fait des votes, hein. On a fait une sélection de meufs. Et c'est elle qui a gagné. Oh, excuse-moi la drôlesse, je t'ai pas vu, effectivement. Comment vas-tu? Désolée, j'ai dû louper ton premier message. Vraiment désolée. Oh, Bonnie. Pour le retour, le 2 juin, je te balance un sub. D'accord, pas de soucis. Tu peux le garder pour toi, hein, y'a aucun problème. Hein. Moi, je joue avec des Sims, j'ai fait un orphelinat et après, je vais jouer jusqu'à leur mort. Regardez-moi, il se casse la gueule, lui. Regardez, hé, quand je vous ai dit qu'il allait se casser la tronche. Ben oui, tu t'endors, chaton. Je vais le foutre dans le pull et puis vous allez voir qu'il va faire comme hier, il va glisser jusqu'en bas. Ça sert à rien en plus. J'ai rien pour le soutenir. À moins de le mettre dans mon soutif. Attendez. Voilà, là il a le cul dans le soutif. Ah, ça marche. Ça ça ne durera pas. Parce que je vais pas grossir en même temps que le de nichon, en même temps que le chat grossira. Bon, au moins là il tient, il est calé. Hein. Putain. Merveilleux. Ah, mais c'est vrai que ça va être le chouchou beat. Il regarde eux-mêmes, hein. Incroyable, le réveillon magnifique. Hein. Franchement, j'ai hâte d'être nouvel an pour regarder un programme aussi incroyable. D'ailleurs, je réitère, hein, mais le 31 décembre, live sur Twitch, évidemment. Comme tous les ans. Enfin, comme tous les ans. C'est pas vrai, ce sera que le deuxième. Mais disons que je ne fais jamais rien et tous les ans, je ne fais rien. C'est-à-dire que c'est pizza. Et télé, mais maintenant je live, donc c'est pizza et live, et chansons, et on se marre bien. Vous pouvez déjà noter sur votre agenda, live avec Shirley le 31. De toute façon, tout le monde sera encore confiné, alors... C'est la connasse qui plombe tout. J'ai envoyé les quatre vérités et bloqué l'autre. Oula, j'ai loupé un truc, hein. Ah, les mercredis de l'enfer sont finalement... Ah, c'était à cause d'un mec. Mais faut pas souffrir pour les mecs qui servent. Ils en valent pas la peine. Ou pour une fille, hein. Adopte des chats. Ah, ils sont relous des fois à faire caca n'importe où, mais au final. Au final, ça marche bien, hein. J'avais prévu d'être chez moi. Ah bon, Martial, je pensais que tu voulais venir.
Ah, c'est ton ex-mari. D'accord. T'aimes pas les chantes? Les chantes? Ouais, moi non plus. Adopte-un-chat.com. Non, mais t'es pas obligé de... Il est pas obligé de te griffer comme lui, il fait avec moi. Hein. Tyrion, il m'a pas vraiment griffé. Hein. Il était beaucoup plus calme. Hein. Ah, la chieuse, elle chiale. Ouais, mais ça va être minuit, là. Bon, à la limite, que ce soit Manon qui s'occupe de sa gosse, c'est logique. C'est où, c'est là. Ah, là, saloperie de gosse, je te jure. Eh ben, tu rateras le nouvel an, c'est pas grave. Chuchubi! Chuchubi! Le chuchubi originel, les enfants. Chuchubi! Chuchubi! Il va chuchubiter officiellement. Attendez, ça me fait rire qu'il soit content comme ça. Ah, chuchubi! Tu sais que t'as l'air con. Chuchubi! Attention! Il va être chouchoubitage. Chouchoubi. Attention tout le monde, vous êtes prêts pour le chouchoubi? 5, 4, 3, 2, 1. Chouchoubi. Voilà. C'est le chouchoubit. Alors nous on chouchoubite à minuit tous les jours. Quand on est dans live en tout cas. Mais eux ils chouchoubitent qu'une fois donc c'est... C'est tranquille. C'est une tranquille, Emile. Ah, ça sent bon la couche propre de ma fille. Ouais. Allez, vous avez niqué un petit coup encore. Ouais, bah écoutez, hein, on veut être sûr que la graine est bien plantée. Toujours. J'ai vu le nouvel an des Sims pour la première fois hier. Ah oui ? Ah, quand même. Après, c'est normal si t'as fait pas longtemps que tu as la saison. Vu que c'est avec saison que ça arrive. Lumina. Des canaris? C'est quoi qui sont choux? C'est quoi les canaris? Il est pas mal mon héritier. Ah bah écoute, on l'a pas choisi pourtant, donc on a de la chance. On a de la chance parce que... Mais pourtant j'avais envie de niquer, hein. Franchement. Trop fatigué Toya. Il a deux sœurs et au final c'est lui qui a gagné. Parce que dans notre Sobéry, on a une... Oh. On a un truc, c'est qu'il n'y a pas de vote. C'est le jeu qui choisit qui sera héritier. On leur fait faire une compétition entre les enfants héritiers. Je les mets au même niveau que s'il y a besoin d'une compétence particulière. Et on s'impose quelque chose, une compète de sport, compétition d'échecs, compète de pêche, tout ça. Et après, le jeu fait en sorte qu'un des trois ou des quatre... gagne. Voilà. Ah, tu comptes être chez moi? Bah tu viens. Je t'attacherai au radiateur. Oui Marie, je les ai vus. J'ai juste pas eu le temps encore de répondre. Mais j'ai vu Marie. Dis bisous Marie. J'ai cassé mon ongle, je viens de m'en rendre compte. Je vais forcément aller à l'hôpital parce que j'ai cassé mon ongle. C'est pas comme ça qu'il faut faire? Oh putain, j'ai oublié la gosse, merde. Viens ici, elle pue du cul, ta fille. Vous le voyez pas, mais c'est pas grave. Voilà, vous allez le voir maintenant. Voilà, elle pue. Ta voix, lui, il est calé. Hein. J'ai un chat entre les nichons. J'ai une saucisse poilue entre les seins. Salut Ombre Queen, comment vas-tu? On verra d'ici là pour l'organisation, 31 décembre. On verra si on est confiné ou juste con. Moi je sais que déjà que je serais juste con. Oh putain, Roger il a chié dans le... Il a chié dans sa cage. Enfin, il a acheté dans sa cage. Il a fait une explosion cacatoesque. Mais oui, Roger, on va te nettoyer le cul, t'inquiète. Pète pas tout de suite parce que tu risquerais de foutre le feu avec tout le méthane qu'il y a dedans. Hein. Bah, il est bien au chaud, mais surtout, il est calé. Il est calé dans le soutif.
Enfin, c'est pas vraiment un soutif que j'ai. C'est une espèce de brassière élastique, du coup ça tient bien. On va voir la tête de Martial, qu'on ait juste sa voix. Ah, vous avez bah, y a pas que sa tête qui vaut le coup, moi je vous le dis. Hein. C'est un beau gosse. C'est un beau mec. Il est beau, il est sexy. Je m'en doutais qu'il allait faire ça. Tu veux pas savoir quoi que. Après, je ne force pas, hein, évidemment. C'est normal s'il veut pas, il n'y a pas de souci. Voilà, hein, bon. Pardon, qu'est-ce que t'as vu d'autre? Bah, je l'ai vu en entier. J'ai déjà pu profiter de lui dans toute son entièreté. C'est aussi moi que j'ai le pack, j'ai été jusqu'au nouvel an. Ah ouais, carrément, vu que je joue pas assez souvent pour le voir. Ah ouais, mais là, ça va... Waouh, quand même. Parce que moi, j'en ai passé des nouvel an avec les Sims, hein, la vache. Ça va super vite, en vrai. Sauf si t'as fait les 28 jours. 28 jours de saison, effectivement, ce sera un peu plus long. Si par exemple tu commences aussi au printemps, ben ça allonge beaucoup. Mais sinon, moi je suis sur 14 jours sur toutes mes parties, ça passe bien. Je t'ai câliné, ah ouais, je m'en souviens pas. Ouais, grosse fiesta chez Shirley, ouais, c'est ça. Je demanderai à Jamie de faire caca partout pour vous. Comme ça vous pourrez pas venir. Ça fera, ça puera le caca. Salut Coco, comment vas-tu? On a fait un câlin à la gare. Je sais plus. Je m'en serais souvenu. J'aurais forcément tâté. Hein. Mais la prochaine fois, je tâterai. T'inquiète. Déjà, avec toutes les fessées que je dois te donner, je vais forcément tâter quelque chose. Hein. Excusez-nous, nous sommes en règlement de compte. De toute façon, elle, après, quand elle sera bambine, je vais les mettre au rez-de-chaussée, dans la chambre rose, qui deviendra une chambre verte, évidemment. Comme ça, ils reviendront ici quand ce sera, ils seront enfants. Oh là là! Mais je pensais qu'elle avait bouffé. T'as foutu quoi, Toya? Non. Ouais. Va t'occuper de ton cul. Tu vas voir toi aussi, c'est ça, ouais. Eh, t'inquiète que comme moi, je suis comme les bilboquets. T'essaies de me renverser, mais je reste toujours droite. Hein. Avec le cul que je me tape. J'ai fait des préparatifs, je pars demain pour 2 jours en Normandie en famille. Tu vas voir Martial? Tu es jalouse? Ah bah, perle. Parce que j'ai vu Martial, ouais, j'avoue. J'avoue que j'ai eu cette chance, donc... Mais tu peux en vouloir à Marie aussi, hein. Parce qu'elle, elle a fait pire que ça, donc... Je dis ça, je dis rien. Je crois qu'il est en train de faire à bouffer. Va prendre une douche, Jacqueline. Bretagne, Normandie, les meilleurs. Pff, c'est qu'il faut pas entendre. Attends, t'as fait quoi là? Un plat unique? Ouais, bon, refais à bouffer, ce sera pour ta femme. Merde, je me suis trompée. Ce sera pour ta femme, pour aller danser. Je vous rappelle qu'il a un niveau 10 en cuisine gastronomique. Oh, le festival pour pédophiles a commencé. C'est pas comme à Paris. Ah bon? Qu'a-t-elle fait avant que je me mette à pleurer? Ah ça, je ne dirai mot maintenant. C'est pas ce... Mais tu te fous de ma gueule, Martial, c'est secret. Depuis quand c'est secret? Oh, encore ce chien! Oh. T'as intérêt à être belle, toi, parce que je te le dis. Pour l'instant,
casser le roubignol. Ce chat est en train de disparaître sous le pull. J'ai oublié qu'il existe en fait ce gars, ce chat. Eh ben, bonne perle. On va au Maha Beach pour voir les plages débarquement pour mon fils. Ah, mais j'y suis allée moi, je crois. Ou pas loin. Je suis déjà allée pas loin. Ça s'appelle comment la petite? Ça s'appelle Opaline. O comme oh là là, P comme prout. A comme ah là là, qu'il est beau Toya. L comme Lulu Stucru. Encore une soirée de pleurs. Ouais, non, je suis désolée. Je sais pas pourquoi dans tous mes challenges, c'est en même temps que je fais des gosses. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Plaikski, mange la nourriture. Ah, Jacqueline, il y a un mouton ici. Enfin, un lapin. Tu vas me passer l'aspirateur. Et Totoya, allez, Totoya, il va faire des longueurs. Il y a le bébé qui pleure, occupe-toi en... Fais gaffe, toi. On est presque à 60 fessées. Attention à toi. Qui c'est qui vient toquer? Ah! Bon, on s'en fout. Allez! Ah, bah on s'en fout. C'est quoi? Pourquoi il y a plein de gens dans la rue? D'habitude, il n'y a jamais personne ici. Tiens, tiens! Mint Soberry, ça c'est quelqu'un qui a partagé son foyer que j'ai installé. Voilà. Du coup, c'est la Sims de quelqu'un. Je peux pas dire qui. Hein, je... T'as rien de bouger dans tous les sens, toi? Ah, j'ai mal au dos. J'avais pris du recul, parce que je me suis dit, je vais forcément voir ma Simself qui court encore en culotte. Mais non! Donc c'est merveilleux. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être relooker le petit Toya. Parce que maintenant, le voilà père de famille, tout ça. C'est plus le jeune freluqué qu'il était. Donc je pense que je vais relooker, en tout cas pour les cheveux, tout ça. Il y a moyen que j'essaie de le relooker un petit peu d'ici la semaine prochaine. Tu vas aller à 69? On se demande pas pourquoi. Elle est pas très jolie, bah c'est sympa. C'est à côté de Caen, dans Métis. Ouais, 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 je sais. Je suis déjà allée à Caen, je suis allée à Ouistreham. Donc en gros, il y a moyen que je sois allée une fois là-bas, mais en... voilà, je suis pas sûre. J'ai été voir quelques plages de débarquement, mais je sais plus si c'était celle-ci. Donc je ne mettrai pas ma langue à couper. Pourquoi il est trop fatigué? Vous entendez les coups dans mon plafond? Ouais. C'est pas grave, hein. Bon, qu'est-ce qu'on va faire à la couche quand? Parce que lui, il bosse pas. Putain, 2 jours. Ouais, en vrai, on va aller à la plage, allez. On va aller à la plage. Pour bien s'occuper un peu. Alors ça, c'est la plage du mariage. Donc on va aller à celle-ci. Ah, bon, on va aller avec les sœurs, tiens. Bah, disons qu'elle a des pellicules. Dalia et Melba. Et que ça... Voilà, on va y aller en famille, hein, tranquille. C'était quoi comme documentaire, Guillaume? Alors c'est le printemps, mais ça va, il fait beau. Allez, tout le monde à l'eau. Nager ici ensemble. Elle a l'air passée, elle est contente.
Allez, putain, ils ont pris du cul, les sœurs, hein. Fichtre. Melba, elle est tombée dans le... Ouais. C'est Manon qui a été la première, mais elle est retournée en arrière. D'accord. Wax and X. Allez, va éclabousser tes sœurs, parce que c'est trop la c'est trop le lols d'éclabousser les sœurs. Allez. Dans moins d'un mois, on va commencer à rêver de tous aller à la plage. Allez, illuminons la journée, parlons des rêves et racontons des ragales. Ça change hein, d'aller dans l'eau. Moi j'aime bien aller à la plage le week-end quand ils travaillent pas les Sims. Ce qui est bien de partir à la plage quand on n'aura pas supporté les cris de la gosse. Tout à fait. C'est aussi pour ça que je suis partie. La piscine de mon travail est remplie la semaine prochaine. Coquin, tu vas aller faire des bains de minuit, c'est ça? Je veux des photos. Hein. C'est sur National Geographic, ça parlait de tout ce qui s'est passé dans les années 80. D'accord. Oh, ce bide. Troisième trimestre en 18h, on a encore le temps. Bah, d'accord. Fais gaffe avec ton tuba autour d'un enfant, là. On pourrait croire que t'essayes de voir quelque chose. Ouais. Ça me paraît obscur. Enfin, tu me diras, il y a le cul de ta sœur juste à côté. Ouais, je vois la jauge de son qui monte dès qu'il y a un coup, donc... Je suis chiante avec ça, mais il paraît que c'est de ma faute, donc... Bon bah il pleut. Rip le bronzage que je voulais leur faire faire. Elle est où la plage? Elle est là. Ah quoique. Et la plage on l'aime bien aussi pour ça. Ah, se faire bronzer. Trop de nuages. C'est triste hein, de pas pouvoir se faire bronzer le cul. Pas juste parce qu'il pleut. C'est pas une raison, moi, je dis. Ils vont bien bronzer. C'est ça. Bah, je l'aurais imaginé. Voilà, bien gaulé, un peu bronzé. Franchement, mec, je sais pas. Nage ici. Ah, il peut pas aller plus loin que là. Oh. 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 C'est nul. Je redécouvre un peu la map parce qu'on n'a pas l'habitude de trop y aller aussi. Plus torrentiel. Ah, marde. J'avoue que moi, j'ai même pas fait gaffe. Non, pas ensemble. Tu les laisses faire leur life, les filles, les girls en... Ah bah, elle va y aller. Elle va se noyer avec son bide. Ah, c'est vrai que quand elle est enceinte, elle est un peu immortelle. Ça me dégoûte ce machin visqueux. C'est l'enfer. Mais pourquoi ils y arrivent et puis nous on peut pas? C'est trop nul.
Il nage vite, hein. Oh, regardez, Charlie et ses drôles de dames. Toya et ses sœurs, incroyable. Allez, je vais me faire un petit screen pour le souviendre. Parce que c'est trop bien, le souviendre. Soudani, la plus belle... Ah ouais, non, mais Soulani, c'est magnifique. Hein. J'aime bien ce que Anne étant Dory, vous avez dit exactement la même chose. Vous avez déjà vu les requins? Oui, Samantha. Ça me dégoûte aussi, c'est moche en plus. J'ai déjà oublié de quoi, mais oui. Salut, Pauline. Comment vas-tu? Il y a beaucoup de Pauline. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes beaucoup ce soir. Combien y a-t-il de Pauline? À une époque, sur le même live, on a réuni 5 Céline. Ouais, rien que ça. Alors quand je disais Céline, bah en fait, il y en avait 5 qui pouvaient répondre, quoi. Ok. Je sens qu'il y a un orage. Ou comment ça se passe? Parce que là... Qu'on me prévienne, parce que si c'est pour avoir un éclair en pleine tronche... Je préfère encore... Bon, allez, il est 20h, on va rentrer à la maison. Ah, les méduses! Ah, pardon. Oui, c'est dégueulasse, les méduses. C'est caca, les méduses. On habite où, déjà? Oasis Springs, oui. J'aime beaucoup avoir des Sims à Soulani. J'ai passé les 4 dernières générations de Nosoberry à Soulani. C'était trop cool. Ah bah... On va y aller, nous. Pas là encore, mais la prochaine génération, la verte et bleue, je pense que... On y sera. Vas-y, il y a des... Ah non, le retour des... Vous savez, les moucherons de merde, là, que j'avais pendant un certain temps. J'ai l'impression qu'ils sont déjà de retour. Bon, ben, ils ont bien bronzé, dis donc. Opaline est rentrée de la garderie. Super, ils auraient pu nous la garder un peu plus longtemps. Bah, tiens. Ah! Omelette norvégienne? Pourquoi on dirait un vieux caca? Je sais pas ce que c'est, mais ça me donne pas envie. Vas-y, bouffe. Quand est-ce qu'il a fait ça? J'ai même pas fait gaffe, moi. Pourquoi il y a des requins dans les Sims 4? Oui, il y a des requins qui passent dans Soulani, dans l'eau. Ah, t'adores ça, Anne? Bah, je connais pas du tout. Bonne soirée, Clara. Bah, bonne nuit également, Jendo. Bonne nuit. Reposez-vous bien. Ils auraient pu garder la gamine jusqu'à l'adolescence. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Bien sûr, faire grandir avec les bons traits, hein, pour la prochaine génération. Et puis, tranquille, quoi. Vous voyez, ce chat disparaît de plus en plus. Normalement, il pouvait pas descendre plus bas, mais c'est ton jamais. Je suis un maman kangourou qui met ses chats dans la poche. Ou dans le soutif, en l'occurrence. Avec sa petite patoune. Je crois qu'il m'aime bien. Je sais pas pourquoi. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? D'ailleurs, partez. Barrez-vous de mes lives? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi? Tu peux mourir sur ta trappe, j'ai vu une vidéo. Ah, les requins, oui. Je pensais qu'on parlait de mon chat. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ok, salut. Allez, ciao. Des bisous. Ah, enfin, tu te rends utile. Rien, tu vas pouvoir passer l'aspirateur après. Pourquoi je suis toujours méchante? Mais je suis toujours méchante avec ceux qui ne sont pas héritiers. Avec leurs conjoints. Surtout une fois qu'ils ne nous servent plus au niveau des gosses. j'aime bien. J'aime bien être méchante. Ça me fait rire. J'ai vu la bagarre sur Instagram. Ah oui! Ben oui, c'est à la bagarre! Il faut la bagarre! Pour l'instant, c'est que bagarre. Il n'y a pas trop de câlins. Mais il y a de la bagarre. Et lui, il y va, hein. Vous inquiétez pas, hein. Il fait 3,5 grammes, mais il saute sur l'autre. Hein.
Ça, c'est sûr. Après, tu passes l'aspi. Ah bah voilà, il joue un peu. Nickel. Zubablarg, 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 Zubablarg. Ah, c'est pour les chats. Ouais, j'avoue. Ben, Tyrion, il fait la gueule hein, depuis un moment. Hein. Heureusement, il y a machin là. Avec sa petite tête elle est minuscule. C'est juste incroyable ça. Pas de soucis, Guillaume, des bisous à toi, repose-toi bien. Prends un petit Doliprane. Et merci Alexis pour ton follow, bienvenue à toi. Trop chou la bagarre, bah ouais. Écoute, c'est toujours mignon, hein. J'espère qu'ils vont... Que Tyrion, parce que ça vient un peu de Tyrion, parce qu'il est un petit peu... Il n'a pas eu trop eu l'habitude, hein, lui, d'avoir les câlins. Dex ne l'était... Dex l'a été quand il allait bien, sauf que ça n'a pas duré beaucoup de temps. Du coup, un petit chaton, là, Titi, il n'a pas trop eu l'habitude d'avoir des câlins de la part d'un autre chat. Donc peut-être qu'il est encore bloqué à ce niveau. Donc il va pas vers lui pour faire des câlins. Il n'est pas non plus méchant, hein. Il fait la bagarre. Oh putain, on vient juste de s'en occuper, il vient de chier dedans. Mais bon, peut-être que ça va se débloquer après, on verra bien. Faut bien quelqu'un pour nettoyer. Hein. Je vous rappelle que c'était Toya qui était le préposé au hamster pendant un moment. Finalement, ça lui a bien servi. Elle a la gerbe. Elle est dégueulasse. Pff, allez, je m'ennuie, vous allez faire crac-crac. Oh, la gosse! Bon ben, Toya, t'iras t'en occuper après. On va faire crac-crac avant. On va pas tarder à grandir. Je me souviens plus si on l'a eu à la fin du live la semaine dernière. Salut Savour le Rouge, comment vas-tu? Eh mamie Oda, je t'ai dit bonjour. Je me souviens plus. Ah, y a un sourire ici, j'ai oublié. Tu vas faire combien d'enfants pour cette génération? Enfin, déjà, je vais faire que des filles. Hein. Sinon, ça ne servira à rien. Donc, tu vois, Opaline, bah, c'est la première, donc on la garde. Je vais faire trois filles, et puis après, les autres seront remis aux grands-parents. Ah, les grands-parents sont morts? Oups. Ah là là. Allez, va dormir, ouais. C'est bien. On va en profiter pour enregistrer ici parce que quand même ce serait dommage de perdre toute cette avancée. N'est-ce pas? Et on enchaîne. Ah ouais, la soirée Netflix, je l'ai pas enlevée alors que ça date de la génération grise avec Nunu. Purée de pommes de terre, de petits pois, de ciboire. Si un garçon est fini au congélo. Exactement, c'est pour ça que je ne ferai que des filles. Je veux que ce soit deux filles à la fin. Oh, pardon, chaton. Comme ça, on aura fait 5 garçons, 5 filles. La parité! C'est maintenant, c'est dans les Sims, les enfants. Ce stream sera paritaire ou ne le sera pas? Paritaire? Ouais, ça va. C'est l'anniversaire de Topaline! Que le temps peut pas si vite. Oui, j'allais dire un rechial. Quand c'est burnel, hein. Travaille maintenant qu'on est dans une heure. Excuse-moi, chaton, je t'ai réveillé. Oh bah, elle ira toute seule. Oui, moi ça.
Cuisine. Qu'est-ce que t'as fait des hot dogs? T'as envie de saucisse, mon petit? Coquin. Oh, il aime bien ça, la saucisse, lui aussi, hein? Une petite saucisse au bord de la piscine. Une saucisse dodue. Saucisse, quand même. Alors, Pauline, brune ou blonde? Bah, après, on s'en fout, alors, les cheveux verts. Vous avez des prénoms de filles pour la génération prune? Prune. Violette. Voilà. Je vais pas te donner les prénoms que j'avais pris parce que. À part prune. Mais. Et voilà. Ah! Pourquoi ça gueule tout le temps, les gosses? Pourquoi ça veut pas se taire un peu? Oh! Une petite seigneur et c'était carré dans le Notre Sauberie. Caroline Thirion-Dex, ben oui. Elle fait la gueule comme d'hab. Hein. Elle a l'air d'avoir des beaux yeux. Ouais. Ouais. Style particulier, cette petite. Elle, c'est plutôt rockstar. Regardez-moi ça. Trois gamins qui font la tronche. C'est beau, hein. C'est les Sims. Avec des PNJ soit complètement shootés, soit tristes. Ou en colère. Il existe trois émotions dans les Sims. Hein. Shooté, triste, en colère. Il n'y a pas d'autres... non, c'est... Bah, non, c'est qu'elle avait sacrément goulu la bouche, là, la petite. Myrtille. Salut, identifiant, comment vas-tu? Elle a pour une fille, je sais plus pourquoi, mais c'est celui de mon héritière. Ah, c'est joli ça, Camille. Soufa-flimp. Vas-y, parle-lui et fais-lui une grimace. J'avoue que la chambre, elle fait un peu tiep, hein, mais. Tu vas jouer avec les... Avec Roger et Hamster. Roger et Merguez. Qui se marièrent. Je l'ai déjà fait de cette vanne. Je l'ai déjà fait de cette vanne. La 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 la. Tu veux faire quoi? Ah, tu veux donner une friandise sans mon avis, toi. Allez, c'est parti. Ouh. Faire un peu de sport. Qu'on puisse fantasmer un peu comme son père. Onze mille. C'est beaucoup quand même. Ouais, Melba. Salut frérot. Tu veux voir ce nouveau mème que j'ai trouvé sur Simstagram? Je le trouve super drôle, qu'en penses-tu? LOL, génial. Je ne comprends pas. Oh, je comprends. Ha ha ha. LOL génial, LOL. Ah, je savais que tu allais adorer. Ah bah attendez, il va bronzer. Se faire bronzer nu. Le zizi a l'air pour Toya. Il aime ça. Il se fait dorer la saucisse. Elle sera grillée à point pour sa femme. La saucisse grillée. Mmh. Bon, regardez, on voit. Vous voyez? On voit. Mais les Sims, ils ont pas de zizi. C'est triste, hein? Comment ils font des bébés s'ils ont pas de zizi? Eh ben, vous avez 2 heures. Je veux vos dissertations à la fin de ce live. Introduction, thèse, antithèse, synthèse. Évidemment, je les noterai sur 5. C'est un Ken en puissance. Et il arrive à Ken en plus. Regardez-moi ça, cette entrejambe de toute qualité.
Et elle chiale encore. Ah, c'est dur aussi. C'est vrai qu'il est paresseux. Il n'a même pas eu le temps de prendre un peu de couleur. C'est triste. Introduction, d'accord. Ah bah c'est parti. Introduisez. Mais il a changé de gueule ? C'est qui ? Vous me les postez sur Discord, les... Mais... C'est qui, lui ? Il était aussi moche que ça ? Ah ouais, tu bronzes et ça te fait ressortir le pif et le menton comme ça, toi. Seriously ? On dirait pas le même mec ? Non mais, regardez-moi ça ! Mais what the fuck ? Il est allergique au soleil, lui, ça lui fait pousser le pif et le menton ? Agent 21, cucu les agents 21, saucisse. Quelle Salut. Blague ce jeu, un mutant. Salut Paulinette, comment vas-tu? Non mais là, c'est n'importe quoi. Parce que là, je veux bien, c'est le même en bas, mais c'est plus du tout le même en normal, quoi. Ouais. Eh, tu vas pas me faire des gosses tant que tu ressembles à ça, hein, parce que j'aurais trop peur qu'ils prennent ces gènes dégueulasses. Bah il est redevenu normal. Dans les Sims tu bronches, tu changes de tête. Bisous mon soldat, bonne nuit à toi. Non regardez, là on a retrouvé sa tête. On est d'accord qu'il avait plus la même gueule. On est d'accord qu'il ressemblait plus à ça. Non je pense que comme il était à poil, ça a changé. Je sais pas, y a un truc chelou. T'as pas nettoyé sa couche en plus. Y a eu un bail chelou là, j'ai pas compris. Y a un souci de papier peint. Oui, bah les chambres elles seront refaites plus tard. C'est pas grave. Déjà cet enfant il a un berceau, il pourrait être par terre. Remets-le à poil, ouais. Comment on fait ? On peut pas se mettre à poil. Ah si, se dénuder. Ah non. Non, pour moi c'est le même là, oui. Enfin, quoique. Chercher c'est les Sims, c'est pas une raison, hein. Dites donc, c'est pas une raison, hein. C'est pas parce que c'est les Sims qu'il faut pas être critique, hein. Attention, hein. Bannir la coquine, remue-la à poil, dis donc. En fait, on lui a reluqué la saucisse qu'il n'a pas, du coup, il a voulu nous faire peur. Dans un berceau devant la maison, les vrais sauront de quoi je parle. Comment ? C'est pas chez moi ça. Ou alors, je ne sais plus. Retourne un peu. Ah, il veut pas faire de longueur. Oh, il casse ses couilles. Pourquoi il est paresseux ? Fais le ménage un peu. Astic à la perfection. Bah, en fait, on va faire en sorte qu'il fasse des trucs et puis.
Ce serait bien qu'il... Fait sa vie, hein, je m'en fous. Parce qu'après, c'est intéressant, c'est d'aller travailler, en fait. Je veux pas comprendre, moi non plus. Mais il a été pigé le chiotte. C'est bien, c'est tes propres toilettes, mec. Si tu veux que ça t'arrache la moitié des poils du cul, quand tu veux. Eh ben, 180 simflouzes. Tu parles d'une... D'une richesse, hein. Bon, après, elle ira faire ça. Elle se divertira. Alors que Totoya, il est mignon, hein, en bronzé. Sauf quand il change de tête, quoi. Et non, Martial. On doit pas travailler sur l'aspiration. Parce que sinon, on est obligé de passer dans la carrière artiste. Oh, pardon. Et comme on doit avoir le niveau 10 de la carrière détective, ce n'est point compatible. J'ai vu le prune quand tu refaisais sa maison-usine. Ah, d'accord. Oui, effectivement, Banner, oui. Oui, mais c'était pas en gameplay. C'était juste... Je vous ai dit qu'il allait disparaître. Hein. Il est là. Il est encore là, mais... Il a disparu dans le pull. C'était pas en gameplay. J'ai pas joué avec le gamin dehors, quand même. Mais ses compétences, on est déjà au top, Martial. Les deux compétences dont on avait besoin, on les a déjà faites. Et reperle. Il y a juste sa carrière qu'il faut qu'on fasse à lui. Donc c'est chiant quand il est en congé, quoi, quand il bosse pas. Amour pour tous! Ouais, on va baiser avec tout le quartier. Ouais. Il n'y a pas que le Covid qu'on va se refiler entre voisins. Le coquin était au chaud, bah ouais. Mais au moins il tient, il glisse pas. On commence avec tes voisins. Parfois c'est tentant, bah. Il n'y a pas que dehors que j'irai les mettre, les gosses, moi, je le dis. Oh, la ferme! Gamine. Elle va bientôt grandir. Ah, ça y est. Ils ont envie de copuler? Non? Moi, bon, Jacqueline va bouffer et va va pisser et va bouffer. Ouais, elle... T'accouches quand, Gertrude? Ah, dernière ligne droite. C'était à quelle heure qu'on lui a fait en pleine nuit? 5h du mat? Non, je sais plus. Donc ça va pas tarder. Donc elle va devenir bambine avant, évidemment. Puis voilà quoi. Ça va se faire tout seul, hein. Elle va faire une sieste. Alors, voilà à quoi sert sa cuisine gastronomique. À bouffer du yaourt qui a tout fait dans le frigo. Comment s'appelle-t-elle? Qui ça? Un instant, quelle est ma génération préférée? Je réfléchis évidemment, là, ça se voit pas. J'ai envie de dire, on s'est toutes mariées avec chacune. Notre amie, si je peux me remémorer quelques petites choses de chaque génération. Avec Pepper, j'ai adoré péter sur son mari et emmerder son collègue Quentin. Bordeaux, le beau gosse qui sautait sur tout ce qui bougeait. Garçon-fille, il n'avait Dieu que pour l'amour de l'humain. Hein. Il était pansexuel aussi, celui-là. Si je ne me trompe pas d'orientation, il était pansexuel. Donc, merci le goutte. Bienvenue parmi nous et merci pour ton follow. Non, je me suis bien mariée parce que là, même après l'aspiration finie, on continuait à niquer tout ce qui bougeait. Ah, pulcote. Pulcote. C'est un petit peu plus... Un petit peu tendre parce que c'était un fils unique, donc on a fait ce qu'on avait. Il a fait des études à l'université, et puis la fusée, Six Sam, tout ça. Il était super beau gosse, super balèze. C'était ma petite pulcote, quoi. Nunu,
J'ai adoré chanter avec elle sur le karaoké. Lila, ma beauté. C'était compliqué faire complète aspiration et surtout avoir le niveau de compétence. Mais en vrai, c'était cool. On s'est quand même bien amusé. Bon, la orange avec Copper, la pâtisserie, c'était chiant. Mais ça va. Et Cham Cham, encore un beau mec qu'on a pu admirer sous toutes les coutures, hein. On pourrait dire qu'on s'est pas gêné. Voilà. Je sais pas, en fait. Il y a toujours eu quelque chose de positif. Et puis Toyat, ben Toyat, il est beau gosse aussi, quoi. Et puis la carrière détective est sympa, donc... pour l'instant, je sais pas, préféré. Peut-être un tantinet plus, la rouge. Avec Bordeaux. Parce que on draguait vraiment tout ce qu'il y avait à draguer, c'était rigolo. J'étais dans les yeux de Bordeaux et je scannais et je voyais un truc là-bas, il est beau. Là, ça aussi, c'est beau. On va les niquer. J'étais devenu Bordeaux aussi. De mon côté, j'étais devenu Bordeaux. Tu vas te prendre un bain de mousse, tiens. Parce que dans cette pauvre petite baignoire qui ne sert à personne. Ah ! Petite tête qui se réveille. Ça va ? Tu te réveilles, chaton ? Bon, pas tant que ça va, vous inquiétez pas, il va continuer à roupiller. Comme un porc. Fais un jam un peu, tiens. Montre-nous tes skills. Ouais, dans l'autre sens, t'as raison. Très bien, père. Alors, il y a un léger problème de synchro entre ce qu'on entend et ce qu'on voit, hein, au niveau des cordes. Mais bon. C'est ici. Elle va pas tarder, je pense, Opaline. Ça se réveille parce que maman, elle touche au chocolat. Regardez-le. Maman, tu touches au chocolat? Moi, j'en veux. J'y ai pas touché hier, déjà. Oh, ça sent bon. Oh, elle chiale. Attends, il y a quelqu'un à la porte. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, mais on veut pas de toi? Wesh. Foucan? Bon, écoute, prends ton bain. Nous, on va s'occuper de la mioche. De toute façon, faut... Hey, viens, Martial, tu feras droit à un petit carré si tu fais le beau. Tu me diras, mais t'as pas besoin de faire grand-chose, tu l'es déjà. Tu auras droit à ton petit carré. Eh, viens, Martial, fais le beau, Martial. Oh, pas mal. T'inquiète, Camille. Regardez cette petite tête. Incroyable. Incroyable ce chat. Ça t'étrangle pas toi comme ça? Non? Ouais. Ah, elle veut aspirer. Tu veux faire le ménage? Vas-y, fais-toi plaisir. S'il devient en danger. Risque de perdre son style de vie célibataire épanoui. Bah, en même temps, il est marié, donc ouais. Je trouverais ça pas stupide non plus, en fait. On se réveille. Oui, on se réveille. Vous avez l'impression que je parle à... Oh là là, c'est la fatigue. Je suis fatiguée, maman. Ah,
Ah, vas-y, un coup de griffe. Je vous jure. J'ai dit quoi tout à l'heure? Adopter des chats? Ouais, je suis pas sûre. On va leur couper les pattes. Oh, il m'a fait mal. Ouais, c'est con. Non, mais... Regarde. Aïe, ça suffit. Il me regarde avec ses petits yeux, là. De toute façon, les chats, c'est les pires. Ils vont vous faire toujours les pires saletés. Et après, ils vont vous regarder en disant... Et vous, vous craquez parce qu'ils sont mignons. C'est fourbe, les chats. Ça a été étudié pour, hein. Ils savent qu'ils sont fourbes. C'est comme ça qu'ils dominent le monde, hein, de toute façon, les chats. Si vous saviez pas. Oh, 1h du mat, allez. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Putain, ça me perturbe. Je suis pas dans le bon sens avec, avec cette maison. Ils vont dormir et comme ça, on pourra enfin les bosser. C'est vrai que c'était chiant, là. On s'est cassé les... C'était chiant. Attention, elle va grandir. 3, 2, 1... Ouais, bah, crie. Voilà! Une blondinette! J'étais un petit peu quelques secondes d'avance. Voilà. Alors, blondinette, pouette, pouette. Blondinette comme papa. Oh, les yeux verts. Bleu vert? Les yeux bleu vert de maman. Oh là là. Oh là là. Oh, qu'elle est cute. Et voilà, Opaline. Opaline blonde. Bon, après, on s'en fout ce qu'elle aura les yeux verts. Les yeux bleus verts. Elle est trop cute. Tu voulais faire une prédit? Non, bon, c'est pas grave, en vrai, parce que les cheveux, on s'en fiche, pour l'instant. Hein? On s'en fout, hein. On s'en fout, il a dit. Hein, Jamie? On s'en fout, Jamie? Oui. Espèce de Lannister, tiens. Ouais, ça lui va bien. Je pense qu'il va s'appeler Jamie, ce petit. Voilà, la petite chouquette. Maman kangourou, c'est ça. Shirley kangourou, c'est moi. Et donc, elle a grandi et elle sera 1, 2, 3. Oh yes, indépendante, ça c'est bien, non? Vous avez rien vu, c'est pas vrai. Oh, tu changes d'âge, vas-y, allez. Voilà. Ah, super, il y a le bruit en plus. Ouais, ça commence déjà. Alors, voilà, ça, c'est le truc que je redoutais en l'appelant dans certains prénoms, même que ce soit John ou Jamie ou autre, parce que les gens ne sauraient pas l'écrire. Donc, ce que t'as écrit, c'est Jamie. Tu me diras... S'il s'appelle Jamie, ce sera comme dans Game of Thrones, donc ce sera J'aime. J-A-I-M-E. Il se prononçait Jamie. Tu bosses pour Jamie? C'est quoi Jamie? Rebelle Bazar? Non, parce que c'est l'action qui a été... Mais c'est pas vrai? Mais je vais la déglinguer, celle-là. Ouh, tu déambules. Mais je t'ai dit non! Mais le vrai Jamie, en fait. Ah, ah ouais, trop bien, Pauline. C'est trop cool. T'écris son nom toute la journée, coquine. Ça cache de l'amour, ça, non? Quelle hésitation. Je ne vois pas de quoi vous parler. Tu peux faire tout sur la petite.
Je peux faire tout sur la petite. Non. Ouais, ça touche. Mais c'est pas sa chambre, ça. Sa chambre, elle sera en bas après. On va refaire la chambre ici. Hein. On peut même commencer à la faire maintenant. Parce qu'il y aura bien besoin. Voilà. Allez, on vire tout. Oh, du verre à ne plus savoir qu'en faire. C'est incroyable, grand-mère. Des verres, du verre en voiture, voilà. C'est la prochaine génération, tu vois. Le tableau, on va le mettre, je sais pas. Ah, salle de bain. Ah oui. Ah, c'est vrai qu'on avait toutes ces merdes. Alors, un lit de bambin. Vert et jaune. Écoutez, on va faire ça comme ça. On va déjà en mettre deux. Oui, chaton. C'est dur la vie, hein. La vie de chaton. Pardon. Je vais mettre plutôt le châtal. Ah, mais c'est vrai que j'ai ces lilas, moi. Oh, pour changer. Allez, on va laisser ceux-là. Un burger. Bon, on va mettre le burger, ça me fait marrer. On va mettre des pots. Ou bien que ça chie ces machins-là. Hein. Quoi qu'il y a de la place dans les salles de bain. Hein. Non, si là, regarde. Hop. Ah, il a cassé les toilettes. Sérieux le jeu? Allez. Une fois, je mets les toilettes dans les toilettes. Mais si tu fais ça pour rire, t'as une sacrée voix. Ah bon? Moi, je fais ça pour rire? Really? Ah là là, qu'est-ce qu'on n'entend pas comme bêtises? Non, c'est gentil. C'est gentil, les enfants. C'est gentil. Alors... Ah, chapeau pointu. Je voulais un gros... Il y a bien un truc vert, là, dans ces gros nounours, là. Non, la licorne. Elle est pas verte, la licorne? Elle est bleue. Oh, putain. Le dragon! Ah là là, ils vont être bien élevés, ils vont être élevés à la Targaryen. Oh, s'il y a un garçon, je l'appelle Régard. Régal même. Ah, vous pourrez pas. Ça y est, ça m'a fait penser à Game of Thrones. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus, je vous en kikiner avec Game of Thrones. Vous ne gagnerez pas, comme dirait l'autre. Il y a des bioman verts, ouais. Des bioman ou je sais pas quoi. On va pas mettre grand chose, on va mettre attends, pays. T'as un dragon. Oui, tout à fait, bonheur.
Bonne soirée Ricardo, des bisous. Tout va bien, ça donne encore des coups dans mon plafond. Hein, mais tout va bien. Ah, quel dommage. Il est trop mignon ce petit tapis. Pas très vert, t'as du vert, mais ah, il y a ceux-là aussi. Oh la vache, ils sont gigantesques. Qu'est-ce que j'ai oublié pour les enfants? Attendez, oui, c'est ça. Ah, je serais obligée de réduire encore. Hein. Ils font tout queuse comme ça. Ah, on s'en fout, ça habille, hein, tant pis. Ça habille le sol. Des trucs pour le... Des couches. Je voulais mettre un meuble. Là, je galère à trouver... À me dire qu'il faut que je mette un meuble, en fait. On va chercher avec des couleurs. Me dites pas la chaise haute, je n'en mets jamais. J'ai arrêté d'en mettre après avoir failli tuer tous mes Sims dans le decade. Donc je n'en mets pas. Je n'en mets plus. Plus jamais je ne mets de chaise haute. C'est l'enfer. Ah ! Sympa celle-là. Ah ! Les petites loupiottes. Je veux dire, c'est bien sûr quand tu vas les chercher que tu vas pas les trouver. La 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 la. C'est un petit chaton. Tout mimi, tout gnon. J'espère qu'il n'y a pas d'assistante sociale dans le chat. Une muselière. Ah, une muselière, le congé. Ouais, j'avoue. Ouais. Oui, je mangeais. Merci la drôlesse d'avoir laissé le live. Il n'y aura pas de garçon, c'est vrai. Sinon, il s'appellera Régal. Comme le dragon vert de Daenerys. Personne ne me l'a proposé dans les prénoms. Vous puez du cul. Voilà, c'était le mot du jour. La chaise haute. Ah non, Paulinette! Jamais. La chose dans les sites, c'est ce qui rapproche le plus de l'enfer, je pense. Ah ouais, non, mais c'était infernal. Hein. Dans le décaisse, j'ai voulu au départ, j'ai dit ouais, mais non, je vais la jouer à la normale, parce que je le faisais pas, je mettais pas la chaise haute. Je veux la jouer avec la chaise haute, à la normale et tout machin. Oh putain, quand Joséphine, elle a pas arrêté de faire un truc et refaire l'autre, oh, que j'ai commencé à gueuler. Ah, c'est ça que je cherchais. Ah, ça a pas fait long feu, hein. Ah non, 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 c'était pas possible. C'était clairement pas possible. Alors, après, il y a la loupiote qui fait des étoiles. Des étoiles ou autre chose. Là. Ah bah, il n'y a pas vert, c'est pas grave. On va la mettre là, c'est très bien. Il y a déjà assez ou comment on fait? Ah, il y a un dinosaure aussi vert. Il y a un dragon et un dinosaure. Allez, on va mettre deux. Je prévois pas d'avoir des jumeaux, mais bon. Les gamins, ils auront le choix. Un petit tatou? Ouais, il est pas vraiment vert le tatou. Il y a une pieuvre verte, ouais. Incroyable, mais vrai. Les pieuvres sont vertes. Voilà! Oui, elle regrandit encore. C'est bien, ça va me faire des... Ça va me faire beaucoup de... De trucs gratuits, moi. Alors, c'est hors de question que tu fasses ça. Oui, Opaline a vieilli, ouais, je suis au courant.
Ils sont déjà debout, vas-y toi. Utiliser. Oh meuf. Vas-y, Nezouk. Prends-la dans tes bras, ta fille. Ça, chez eux, plus jamais. Toi qui avais peur que la déco pour la génération verte, pour l'instant, je trouve ça très chouette. Non, mais en fait, c'est le mélange des couleurs. Moi, j'aime beaucoup le vert. Faut le savoir, c'est une couleur, une de mes couleurs préf. Il y a le violet, le vert, le turquoise, le bleu. Un peu les couleurs froides. Moi, c'est mes couleurs préférées. Et mais voilà. Mais j'aime beaucoup ces couleurs. C'est juste le mélange entre l'orange clair et le vert. C'est juste pas possible. Là, on est sur quelque chose de pas terrible. Hein. Alors, on va prendre quoi? On va faire de la salade de fruits. Non, après, ils vont être excités, les gosses. Haricots, saucisses, ils vont péter. Des toasts avec des œufs. Allez. Enfin, les gosses. Ce sera un plat spécialement pour les... Voilà, Opaline. Vas-y, pour notre... tu peux t'occuper en... Regardez, elle a tout compris. Elle est déjà habillée en vert en haut. Salut, maman. Et vous m'expliquez pourquoi ils n'ont pas dormi jusqu'au bout? Oh la vache, tu fais peur, Toya. Avec ses coutales. Je me souviens, je faisais tes vidéos, j'ai beaucoup rigolé dans ton décal. Ah non, mais... Ça a été quelque chose... Le décal, en vrai, il a aussi révélé... Parce que je me retenais beaucoup... Il m'a un peu révélé, mais ça j'en ai déjà parlé, que à cause des bambins, du monstre et tout, j'en pouvais plus, j'étais en train de hurler, et j'ai dit mais c'est pas possible, je vais péter un câble. Et en même temps, c'était beaucoup plus naturel que je réagisse comme ça, parce que c'est comme ça que je suis. Et en me réécoutant, mais j'étais pliée en deux. Mais je dis mais c'est passé à mourir de rire en fait, comment je m'énerve. Et ça vous a fait rire, et j'ai fait ok, bon bah dans ce cas-là, pourquoi je vais pas me retenir au final de péter un câble ou de gueuler ou d'insulter mes sims s'il y a besoin, parce que ça a plu. Bon après il y en a, je suis vulgaire mais ça va hein. Je suis pas une bonne sœur non plus hein. J'ai jamais dit que j'allais jamais dire d'insultes hein. Le kit médecin pour l'empathie des enfants, ouais mais c'est une bambine pour l'instant, c'est dans leur chambre en haut qu'ils auront, là c'est pour les bambins. Vert et bleu, c'est stop ensemble. La prochaine saison, on aura un super mélange. C'est ça, la prochaine maison, pardon. C'est exactement ça. Vert et bleu, ça passe nickel. Comme j'ai déjà dit, moi, le Not So Berry, le challenge est très cool, hein, mais j'aurais fait un ordre un peu plus logique pour les couleurs. Pour pas que ça jure. Mais ce n'est que moi. Et ce n'est pas moi qui ai créé le challenge. J'ai toujours mes mamans qui mangent pas le poisson, c'est normal. Ah merde! Je chantais de rage, il y a moyen, ouais. C'est tellement chouette le décal, j'adorais. Bah, de toute façon, c'est en majeure partie, enfin une grosse partie, c'est grâce au décal, ce que vous m'avez connu. Hein. Après, c'est le Lord et Lady. C'est vraiment les deux challenges que j'ai fait qui m'ont fait gagner des gens, des abonnés, ça c'est clair. Prune et Rose, c'était en même temps, il me semble. Non, non, non. Prune, c'est la fille de Grise et la mère de Orange. Ça va pas du tout. Et Orange, c'est le, c'est la génération avant le rose. De toute façon, tu peux le voir dans l'ordre. C'est, moi, j'aurais pas fait comme ça en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas un souci. Hein. L'idée était cool, mais le mélange des couleurs. Oui, j'ai toujours monsieur dans le décolleté. C'est bon, t'as bouffé toi? Bah écoute, t'es indépendante, il paraît. Tu peux aller pipiter du coup. Ah merde. Ça c'est qui? Manon. On n'accompagne pas. Oui, parce que moi je vais aller travailler avec Toya, hein. On est d'accord. Tu peux me ranger ça, s'il te plaît, Jacqueline? Pourquoi tu t'as fait refait à bouffer et... Lui, il aime tellement ça la cuisine qu'il arrête pas de me faire à bouffer, quoi. Salut, Chancia! Ah, tu m'as connu par le Bad Challenge! Oh là là! Bah, il y en a pas beaucoup alors. Il y en a très peu avec le Bad Challenge, hein. C'est pas du tout le truc qui a eu le plus de vues.
D'ailleurs, je pense que je vais l'enlever de ma chaîne. Vu que la personne qui l'a créé n'arrête pas de me bloquer sur tous les réseaux sociaux. Chose que j'ai découverte encore aujourd'hui. Je pense que je vais l'enlever de ma chaîne. Dans un certain sens, j'ai pas envie d'être lié à cette personne. Plus envie d'être lié à cette personne. Je suis toujours la première... La première quoi? Génération? Oh, ça viendra, tu vas avancer. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle liste de génération avec un nouveau pack, tu le feras. On m'a déjà posé la question, on verra. Je pense qu'après, quand il sera fini notre Sobéry, peut-être que je ferai une pause. Et je verrai si vous, ça vous branche, ben on fera peut-être la suite, effectivement. Avec toujours les rainbows, on reprendra le flambeau de cette famille. Si ça vous branche. Elle est en train d'accoucher. J'ai un gros dilemme là parce qu'en gros il va partir bosser dans 6 minutes. C'est-à-dire que si là je la fais rentrer pour accoucher, on pourra pas aller avec lui au boulot. Du moins je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas du tout ce qui va se passer là. Qu'est-ce qui se passe si je vais au boulot avec Toyin? Elle accouche pas avant qu'on rentre? Ou elle accouche dans son coin? Bah, lance la prédit maintenant, Martial, parce que en vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, lance la prédit maintenant si tu es là. Pour garçon ou fille. De toute façon, ce sera forcément une fille, hein, je vous le dis direct. Hein. Mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Non, mais ça, c'est l'assiette que la petite a dû poser. C'est un bug, laisse tomber. Les assiettes, elles volent. Moi. Pourquoi elle me bloque? Je ne sais pas. Si, elle a dû une fois sur son live que je m'étais servi de sa communauté. Sauf que, ben, je sais pas en quoi, en vrai. J'étais chez elle parce que j'appréciais ce qu'elle faisait et qui elle était à l'époque. Et quand ça ne m'a plus, bah, je suis partie. Et puis basta, quoi. Mais bon, apparemment, je me suis servi de sa communauté. Je sais pas. Tu veux prendre un congé avec toi? C'est un peu la dernière minute et j'ai envie d'aller bosser avec lui. Là, on fait rien depuis qu'on a commencé et ça me saoule. Et ça fait déjà 1h30 qu'on a lancé. Je pense que Martial n'est pas devant le PC. Là, là, là. On attend l'Empire. À part si tu comptes la suivre sur place, j'ai rien dit. Bah, en fait, ouais, je sais pas. Fais-la revenir à couche, là, et Toya... Non, mais justement, je vais aller au boulot avec lui. Et en 6 minutes, je pense pas qu'elle va revenir et accoucher. Il va y avoir une couille dans le pâté à un moment donné. Salut, Laïna, comment vas-tu? Ou les livres. Attends. Ou les livres comme le Lord Ennedi. J'ai pas suivi. Bon, au boulot, on verra bien. Oui, mais alors, du coup, je vais lancer la prédit parce que je crois qu'il est pas là, Martial. Commencer la prédiction. Fille ou garçon. Je vais mettre sur 1 minute, donc soyez très au taquet. C'est parti pour la prédit. C'est maintenant. Parce que comme je vais remettre play après, on verra comment ça se passera. De toute façon, on aura le bébé aujourd'hui. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. T'inquiète, Martial. C'est pas de souci. Pas de souci. C'est normal, je comprends. T'es pas tout le temps là. Je l'ai fait. C'est pas grave. En plus, tu sais, vu que le Twitch, il est déjà programmé. J'ai qu'à cliquer. C'est nickel. Ça date de tes derniers... des trucs d'hier, en fait. Donc en fait, ça va. Les trucs qui volent tout seuls. Ah! Oui, comme les livres. Oui, tout à fait. Oh, j'ai encore oublié de mettre le Lord Ennedi à l'heure, moi. Putain, c'est pas possible. Oh, on dirait que c'est moins tard que la semaine dernière. En même temps, la semaine dernière, j'avais une bonne excuse. Cette semaine, j'en avais pas trop. J'ai juste carrément oublié. Je perds mon salaire. Mais non! Oh là là. Alors, oui, Banner, c'est ce que je disais hier. C'est la... Forcément, pour le s'il y a des jumeaux, c'est une autre prédit. Et ça compte que pour le premier enfant.
C'est l'enfant qui vient là, si c'est une fille ou un garçon, quoi. Ça y est, les trucs sont lancés. On est parti, on va bien voir comment ça va se passer. Ah bah bravo! Bon, on va rejoindre. On verra bien ce qui se passe. Au pire, elle accouchera après. Je sais pas du tout comment ça va se passer. T'as oublié de valider. Mais Oniri, mais quoi? Dans ce cas-là, il faut cliquer sur le 10. Comme ça, t'es sûr d'avoir parié quelque chose. Après, tu arrondis à la main, tu vois. Mais bon. On va bien voir ce qui va se passer. Nous, on va aller bosser un petit peu parce que c'est sympa le week-end, mais... Discuter des théories d'affaires avec les collègues. Alors toi, je ne sais pas qui tu es. On va discuter. Ajouter des indices. Comment tu sais déjà commencer le tableau, hein, ce sera pas mal. Est-ce qu'elle est là, notre femme, en train d'accoucher? Non? C'est Astray? Oh, Astray, elle a eu ses enfants. Astray. Shirley n'a pas l'air d'être là aujourd'hui. Elle a pris un congé. Je joue à mon autre son en même temps. Ah! Fouiller les criminels à la station. Ratoya qui change de tronche parce qu'il... Parce qu'il bronze. Ça me flingue, ça. Ça m'a vraiment flingué tout à l'heure. Alors, et ils sont toujours là, eux? Putain. Non, toi, t'es à nouveau, toi. Fouiller. On va aller fouiller le susprout. Merde. J'ai déjà appuyé... Et dépêche. Je pense qu'en vrai... En vrai, elle va attendre jusqu'à temps qu'on revienne. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec tes pattes, toi? Ça, c'est une patte arrière qui revient. Hein. Oh, un petit lama! T'es un grand gamin, mon petit. Moi, genre, c'est pas à toi, hé. Un micro? Un poids Sky! Non, c'est pas le tien, bien sûr. Encore un lama? Il aime bien aussi. Tu vas pas t'en remettre, de quoi? Alors, tu sais... Quand t'es en prison, c'est pas pour 24 heures. Bah si, ça peut être juste une garde à vue. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, Jean-Claudius, va ajouter des trucs. Et rediscuter des... Putain, on va discuter aujourd'hui. Ouais. Ajouter des indices. Alors, le suspect portait un haut à manches courtes. C'est incroyable. On n'a pas le temps, mais bon, on travaille, nous. Parlez au chef. Il est où, chef? Assistante. Mais il est pas là, le chef. Chef, il est pas là, chef. Bon, bah, on va pas pouvoir le faire si chef est pas là. Alors, parler au chef, faire de l'exercice pendant une heure. Elle est sur la scène de crime. On va y faire de l'exercice pendant une heure. Ah, il est peut-être là-haut? Non. Entraînement. Lui qui est paresseux. Le chef n'est jamais là quand on doit lui parler, c'est ça. Ok, ça c'est bon. Vous avez 24 heures pour payer les... Oh bah, on n'a pas payé les factures, tabarnak. Prendre une photo d'identité. Après, on va aller sur la scène de crime. Pas celle de Twitch. Ah ouais, tu l'as eu aussi, celle-là. C'est trop fort. Bonne. Faire les photos. Un petit sourire. Magnifique.
Ouais, crève. On s'en fout, on va aller sur la scène de crime. Oh là, elle s'est crevée celle-là, la vioque. Allez, ça va être un nouveau collègue pour la prochaine fois. Elle crève en silence. Ça va toi? Tranquille? Oh, mais qui vois-je? Y a Shirley, l'inspectrice. Scène de crime. Sur une scène de crime, vous pouvez trouver des indices qui vous aideront à identifier un suspect. Enquêtez sur les objets abîmés ou volés et cherchez des indices sur le sol à proximité pour trouver plus de preuves. Vous pouvez également parler à des témoins pour obtenir leur version de ce qu'il s'est passé. Regardez-moi ça! Comment te va, toi? On est toujours mariés, hein? Je vérifie juste. Oui, ça va. Nous sommes... Putain, elle commence à se faire vieille. Allez, on va lui faire un petit bébou, hein? Voilà, Martial et Shirley vont avoir un petit garçon. Espérant qu'il tient plus de son père, hein, évidemment. Quand même, il faut qu'elle ponde des gosses, hein. Parce que nous, ce sera peut-être notre enfant qui sera le mari d'Opaline. Moi, je riche les filles, hein. Ah, c'est des orages, ça, c'est pas... Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit... ok, monsieur, il a carrément sorti les palmes. Est-ce qu'on doit scanner un truc? Comme la dernière fois sous la nuit? Pourquoi il y a des traces? Attends, va jusque là, parce que là je comprends pas. Allez, pour le ménage. Oh la baraque, il n'y a plus rien quoi. On doit faire... Elle est patrouillée, elle est sur la scène... Mais on est sur la scène de crime! Discuter des théories. Bon bah, va discuter avec Shirley, je sais pas pourquoi, elle est là. Tant qu'à faire. Justine Okada. Mais... C'est quoi ce délire? Mais il y a un problème, parce que là j'ai 0 indice et tout. Je peux pas prendre de déposition. Alors que ce serait pas la première fois qu'on est bugué, déjà qu'on doit toujours aller sur la scène de crime. Bon bah on y va à la scène de crime alors. Bah non, on peut pas en fait. On peut pas. On peut discuter des théories sur l'affaire avec Shirley, hein, on a que ça à foutre. Mais il n'y a pas de risque qu'ils aient ce marron, votre enfant. Si, si, malheureusement. À cause de moi. On le prendra pas, c'est pas grave. J'ai cette maison aussi et je suis reparti bredouille. Ah bah d'accord. Et la piscine. Agent Shirley sur la chaîne de crime, sur la scène de crime, c'est ça. Bah, il n'y a pas, hein. Il n'y a rien. À Soulani, on cliquait sur le sol et il y avait recherché des indices et tout. Il y avait comme un scanner. Mais en vrai, là, il n'y a rien du tout. Écoutez, on va retourner... Ah... Mais comment on fait pour rentrer? C'est full buggé. Je peux, en fait, strictement rien faire. Jusqu'à 18h, je ne pourrai pas enquêter. Par discuter avec les collègues, on peut même pas poser des questions aux témoins. Je peux même pas retourner au commissariat. Super, il a fallu que ça tombe sur notre Sobéry, hein, cette superbe carrière. Bon, écoute, Jean-Claude, tu vas aller faire des longueurs, et puis c'est tout, hein. Va montrer ta magnifique musculature à tes collègues. Plus là, il y a un défilé. Oh ouais, excusez-moi, je vais emprunter votre pistouche. Je vais faire quelques longueurs. Qu'est-ce qu'elle fait, la Shirley? Elle fait le ménage? Genre, c'est tout à fait mon style, évidemment, de faire le ménage. Non, elle va aller dans la pistouche aussi.
Mais pourquoi? Pourquoi s'emmerder à travailler alors qu'on peut aller à la piscine, franchement? Ah bah regardez, même les collègues ils y vont, allez, c'est pistouche parti. Magnifique. C'est comme ça qu'on va aller au niveau 10 hein, de cette carrière, évidemment. On est déjà au niveau 5, c'est déjà pas mal. Mais bon. On peut pas faire d'autre. Quitte le travail. Bah non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Inspecteur Toya en maillot, tout le monde à la piscine. Mais oui, inspection des maillots de bain. Regardez-moi cette belle brochette. De Sims. Elle est belle, hein, quand même. C'est à ce moment-là que je me dis que j'ai complètement raté ma Sim Self. Parce qu'elle me ressemble beaucoup pas, en fait. C'est Shirley en version jolie. Dans les boutons, tout ça. La version Wish. La version Instagram. Faudrait que je me fasse une guirlande de fleurs aussi. Oh! Et ouais. So. Elle, au moins, elle met pas de chat dans son décolleté. Ah, je sais pas, moi, discuter avec tes collègues, peut-être. Discuter des théories. Ah, mais tu t'es même pas présenté, wesh. Complimenté. Et ça aussi, c'est vas-y éclabousser. Les autres, c'est des témoins, mais auxquels tu peux pas parler, en fait. Donc, On entend que des conneries ici. Ouais, j'avoue. Elle est relou, hein, cette banderole, hein, quand même. Elle te ressemble? Non, je suis pas... Non, vous avez la lumière qui embellit le teint, qui gomme les défauts comme les cernes, tout ça. Essaye de cliquer sur le rond vert. Le dénouement de boulot, ça écourtera peut-être. On va quitter le travail plus tôt, alors. Oh! Effectivement. Merci, Kitty. C'est ce que je lui ai dit, mais elle écoute pas. Bah, j'aurais du mal à écouter si c'est écrit mon biquet. Je t'ai pas vu, c'est tout. Si, sur la croix dans l'event, tu as raison, excuse-moi. Mon seigneur, mon bon seigneur, mon humble prince de mes nuits. Oh, Dieu cher Martialou. Je me mets à tes pieds et je les baise, tes pieds poilus qui puent. Pour que tu me pardonnes. Regarde, ton fils, lui aussi t'implore. Lui, celui-là. Lui, il est bien, tu sais, il y a du monde au balcon, il est tranquille, le mec. Bon, et eh ben toi, tu vas aller... Putain, il est dans un état. Vous êtes prêts, hein? Ah oui, c'est pas là, c'est à l'étage. Alors, on peut pas avoir un bébé parce qu'il y a au moins des autres berceaux. Voilà. Allez, vous êtes prêts pour les triplettes? Merde, faut qu'elle aille pisser, c'est vrai. Oh, tu iras pisser ici, hein, rien à foutre. Et après, t'auras un bébé. Ah, tranquille, Emile. Il avait une excuse pour rentrer plus tôt, hein, sa femme qui... Merde. Sa femme qui accouche. Oh là là! Il y a ton rejeton qui s'échappe, là. Tu veux sortir de là, toi? T'en as marre? Hop! Oh là là là! Oh, il est tout chaud! Qui veut d'une saucisse poilue toute chaude? Qui c'est qui veut une saucisse poilue? Donnez-moi ça. Ah, maman! On va t'attraper la tête! Elle est moche, hein? Oh, oui, hein? C'est pour ça qu'il la griffe. Je vous jure, c'est une guimauve, le machin. Ah non, j'aime pas quand tu fais ça. Allez, moi, je te mets par terre. Tu fais ta vie. Tu vas aller voir Titi, si tu veux. Comment ça, les services sociaux? Mais non, mais j'ai fait un berceau exprès.
Mais c'est... Mais va pisser ! T'es sérieuse ? Y en a trois, là. Tu vas pas vous rajouter un autre, hein ? Pas foutu de monter les escaliers, cette grognasse. Ça va lui péter au cul. Elle est dilatée à 10 cm. Et t'as le machin qui lui pète au derche. Allez, mais fais ton gosse là-haut. Mais wesh. Oh putain, il y a la saucisse qui va plus loin. L'autre bloc, l'escalier. Oh putain de merde. J'avais pas vu qu'il était, qu'il avait popé là, ce con. Bon, on va lui mettre attention, en bas. Attention, Roger a peint. Oui. Ah bah ouais, mais j'ai un enfant qui arrive, hein, donc Roger il passe après. Ah, je vous jure, il y va, il va y aller tôt, il a remarqué. Allez, c'est parti! Je vois plus le chat. Moment d'amour, pourtant je hais les chatons, mais c'était chou. Tu hais les chatons? Ah ouais, à ce point? Genre tu as de la haine en toi, quoi. Ça fait peur quand même. Je peux plus enregistrer, c'est trop tard. Bonne nuit, Ludie. Oh, Ludie, reste pour le bébé. Savoir si c'est un garçon ou une fille. Attention, révélation. Cet enfant est une fille. Si c'est un garçon, on lui coupera tout ce qu'il faut. C'est bizarre, j'ai plus rien ici, moi, ça fait bien. En costume de flic. Ah bah écoute, comme ça, elle enverra au pressing. Hein. 3, 2, 1. Oh, c'est une fille! C'est une fille, c'est une fille. Encore une fille, oui, oui, c'est une fille. La la la, l'héritière est née. La 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 la. Je pense qu'on va s'arrêter là. On en aura pas d'autres. Alors, bah pour le prénom, faut que je ressorte les commentaires de la semaine dernière. Enfin, de la semaine d'avant. Oh mon titi! Bonjour mon chaton. T'as fait un beau petit dodo, hein. Regardez le titi. Vous voulez voir le titi? Bah je ne me vois même pas le retour. Je ne sais même pas ce que je montre. Voilà, le titi, il est là. Ah bah, il y a son frère derrière. Le rat gris, là, sur le tapis. Oui, oui. Il va lui sauter dessus. Ça va être sympa. Il lève la tête. C'est trop mignon. Bon, alors, les prénoms. Alors, on avait Jade... La dernière fois, si je dis pas de conneries, nous avions Jade. Alors, ma chaîne. Ça y est, c'est la bagarre. C'est la bagarre derrière. Le temps que ça... Parce que j'ai un problème... Ah non, c'est pas cet épisode-là. Crotte de pique. Ah, c'était travail et amour. Excusez-moi. Ah oui, avec mon plaid, j'étais malade. L'épisode où vous m'avez fait plein de propositions. Alors, Jade, Opaline, Fougère, Viridis, Eucalyptus, Green, Hulk, Kaki, Cobalt, Tetil. C'est une fille, donc on peut s'abstenir de certains. Opaline, Amande... Alors, Amande, c'est pas trop. Ah, peut-être Pomme, Agathe, Opaline, Jade, Amande, Midori, Émeraude. J'avais dit quoi la semaine dernière, je m'en souviens plus. Allez, je veux lire la suite, s'il te plaît. Jade, Opaline, Olive, Émeraude, Pomme, Gaïa, Calandra, Cannabis, Olivia, Lime, Emerald ou Basil. Ok, bon. On va partir sur Jade, Émeraude. On était là-dessus, non? Je me souviens plus. Bah, amande, pour moi, une amande, c'est plus orangé. Je sais que de base, c'est censé être vert, mais... Quelqu'un a proposé fougère. Bah, pourquoi pas.
Tu es beau, mon Tyrion. Alors, 8 personnes qui me suivent. Qu'est-ce que j'avais fait la semaine dernière? Putain. Gérer les sondages. Nouveau sondage. Quel prénom? Que le prénom? Oui, que le prénom. Nous allons choisir Jade. Nous allons choisir Opaline, c'est fait. Émeraude. Bon, on reste dans les pierres. Hein. Et puis quoi? Épinard, pistache. Franklin. Oh. Franklin, il savait lasser ses chaussures, c'est pour ça qu'il avait pas de chaussures. Pomme, c'est cute. Ouais, pomme. Des pommes et des poires et des scooby-dooby-doo. Ouh, yeah! Alors, ce sera 2 minutes le sondage. Vous avez le choix entre Jade, Émeraude et Pomme. C'est parti, vous refresh. Agent 21 QQ, agent 21 QQ, bonne nouvelle. Ils ont retrouvé mon tableau. Main croisée. Oh, yes! Ça, c'est bon, King of Home, coucou à toi. Nous sommes en plein vote. Nous avons une petite fille qui vient de naître dans le Note Sauberry. Et comme elle doit avoir un prénom relatif avec la couleur verte, nous sommes sur donc Jade, Émeraude ou Pomme. Voilà. Et ça, c'est vraiment cool. Je suis contente pour toi. Et du coup, s'ils ont retrouvé le tableau, est-ce qu'ils ont retrouvé les connards? Forcément, c'est un lien directement, quoi. Et compter deux par deux. Ouais, c'est ça. Il savait lasser ses chaussures alors qu'il n'avait pas de pompe. Il est trop fort, Franklin. Trop fort. C'est un peu comme Donald Duck qui, en sortant du bain, se lave le cul avec une serviette, se met une serviette autour du cul pour cacher le cul alors qu'il a pas de pantalon en temps normal. C'est la logique des dessins animés, ça. Cherchez pas. King of Pomme est là, c'est là. C'est vrai. Peut-être Pomme parce que King of Pomme. À moi, Titoune. Donc n'hésitez pas à refresh si vous ne voyez pas le sondage. Et après, on pourra faire une prédit, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Vous aurez une autre prédiction, savoir si c'est une naissance multiple ou pas. Elle sera très très rapide, donc n'oubliez pas de valider. Voilà. Il est parfait, ce Franklin. Mais écoute, Marine, je te laisse l'épouser, le Franklin. Un mélange de toi et d'une tortue. Après, il a un peu 8 ans, donc c'est un peu bizarre. Mais... Oh! Trace d'ADN trouvée sur mon frigo. À voir. Ça, c'est une quand même super bonne nouvelle. En vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien, King of Pomme. Tu nous tiens au courant. Oh! C'est donc le prénom Pomme qui a été choisi. C'est trop choupi. Est-ce que tu fais la prédit, Martial, ou pas? Bon, bah, nickel. Écoutez, il est parfait, cet homme. Et il est à moi. C'est merveilleux. Ce sera une petite pomme Rainbow qui est donc née. Et maintenant, nous avons une nouvelle prédiction qui est lancée pour savoir si elle est venue toute seule ou avec sa sœur. Évidemment, tout garçon dans cette génération sera banni, je suis désolée. Et n'hésitez pas à balancer vos points. Merci Niri, c'est cool. Ouais, il faut y aller rapidement puisque ce sera une pretty rapide parce qu'on est en fin de live aussi. Donc une fois que ce sera fait la naissance, on s'arrêtera là parce que j'arrive à 2 heures de live. Par contre, perte estimée dans l'ensemble à 95 000 euros. Putain, c'est pire, King of Pomme. Pour ceux qui savent pas, il s'est fait cambrioler hier. Il est venu nous dire dans le live. Voilà, tout ça comme ça. C'est horrible par contre, c'est beaucoup trop. Oh. Il vous reste 30 secondes, je pense, pour voter. Et c'est l'heure des pubs, j'en profite. Effectivement, Paulinette a acheté les pubs. Donc, je vais lancer les pubs. Merci à ceux qui le regarderont. N'hésitez pas à mettre un message dans le chat pour dire que vous avez les pubs parce que vous contribuez à ma richesse incroyable pour pouvoir rembourser King of Pomme tout l'argent qu'il m'a déjà légué. A tout de suite. Il rembourse pas tout. Bah, tu m'étonnes, il y a de la perte, ouais. Putain, ça craint. Ça pue. Il vous reste encore quelques secondes pour la prédiction. J'espère que vous allez gagner ou pas. Nous sommes à une tendance de
Oui pour un deuxième bébé à 29%, non à 71%. Tandoori Poulet avec 6200 du côté oui. Et Tom Pouce avec 7000 du côté non. Tom Pouce a un peu l'habitude de gagner tous les paris en ce moment de l'update prédit. Donc... je ne regarde pas, je vais cliquer. Et 1, 3, 2, 1 plutôt. 3, 2, 1. C'est toute seule! Tom Pouce a encore frappé! Il a encore gagné! Comment ça, avoir un bébé à faire? Nefana! C'est bien, on va s'arrêter là. Deux filles. GG à tout le monde, à Tom Pouce, 42 000 points! Mazette. Oh là là, c'est beau. Je me suis gourée pour fille ou garçon tout à l'heure. Ah, merde, mercredi. Non, mais est-ce que t'as pas compris le jeu? Il a compris qu'il allait me faire que des filles dans cette génération. Voilà, j'ai eu deux filles, je m'arrête, moi. En vrai, je sais pas. On verra bien la semaine prochaine si je tente un troisième. Ah là 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 là. Alors, la Jeannette, elle va les bouffer et puis après, elle ira faire une sieste. Alors que Totoya, lui, non mais range pas les jouets, je l'ai fait exprès pour que ta gosse, elle puisse se jouer. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, elle est partie à l'aventure. Ah, super, elle a fait des conneries en plus. Papa, il va gueuler. Calme, dire de ne pas mettre le bazar. On attend que Jeannette, elle part se coucher là et... Roger est mort encore une fois. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez un troisième pour un petit mec qui a pas d'art mode. Roger est mort. Pour de bon. J'avais prévenu pour Roger Sniff. Oh, Nubu Hangar. Eh ben, c'était le mot de la fin. Voilà, on s'arrête là. Riproger. Il n'a point survécu. Écoutez, c'est très bien. On a dépassé les 2 heures de rediff. J'essaierai de couper un petit peu peut-être. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé. Roger est mouru. On a quand même une deuxième fille. Il faut se réjouir de ce qu'il faut, hein. Une deuxième petite fille qui s'appelle Pomme et qui c'est très bien. C'est très, très parfait. Moi, je vais remercier YouTube d'avoir regardé cette rediffusion. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre sauverie. Bébé 3 ou pas, vous me le dites dans les commentaires et puis on verra bien. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, profitez de votre samedi, de votre dimanche et vous regardez au moment de la rediffusion. Sinon, si c'est plus tard, et bien écoutez, kiffez votre journée et à bientôt quand même. Des bisous, ciao ciao YouTube, à très bientôt, bisous.